Je suis en licence pro de développement international des PME-PMI. J'ai 21 ans. Bonjour, moi c'est Edaoudi Abdilila. J'ai 21 ans également et je suis en licence professionnelle développement international de la PME-PMI. Je me suis destiné à cette licence parce que j'aimais le côté professionnel, donc le fait qu'on puisse faire des stages, enfin un stage sur une longue durée, donc qui nous amenait à nous intégrer dans le monde professionnel. Également l'aspect culturel et l'aspect linguistique qui nous permettait de renforcer nos connaissances en langue et d'aborder des cultures qu'on ne connaît pas forcément encore. Donc la formation permet aux étudiants qui l'intègrent de pouvoir s'orienter vers des métiers qui allient bien entendu le côté international, tel que le cadre export par exemple, ou bien l'acheteur international. Donc pour ma part, moi c'est sur le dernier métier que j'ai cité, c'est-à-dire acheteur international. C'est un métier qui ouvre énormément de perspectives. Cette licence permet de former à des métiers d'acheteur, même s'il faut, je pense, encore un petit peu pousser avec d'autres formations supplémentaires. Mais cette formation permet, à travers les stages et notamment le projet tutoré, de pouvoir bénéficier d'une expérience professionnelle sur le terrain et de pouvoir mettre en exergue les connaissances et les compétences théoriques que l'on aura pu intégrer lors de la formation. Pour ma part, je réalise un stage dans une entreprise qui souhaite se développer à l'international par croissance externe. Donc, dans la mesure où elle souhaite acheter une entreprise, elle doit d'abord connaître le marché. Donc là, on retombe sur le marketing international, c'est-à-dire l'appréhension d'un marché, comment intégrer parfaitement un marché et savoir si les opportunités sur ce marché sont réelles et si on peut y aller ou si au contraire on doit changer de marché et viser un autre pays. On a eu la chance tout au long de la formation d'avoir une dizaine de professionnels qui sont venus partager leur expérience et nous apporter les conditions réelles d'exécution en entreprise. Donc c'est vraiment un avantage certain pour la licence et c'est pour ça que je la recommande.